Louis, c'est Freddy, diplômé sans emploi. Depuis 6 mois, il essaie de déposer son dossier dans les entreprises, mais jusqu'à là, personne ne l'a encore contacté. Elle, c'est sa femme, Anita. Je vous laisse regarder la vidéo. Papa, on peut l'avoir le matelas bon. Oui, hein? Oui, on peut l'avoir le tout. Hein? Mais on va y déposer. Au moins, on met les là, on va bien. Moi, j'ai espoir. Tout le monde met les là, on va bien. Tout le monde met les là, on va bien. J'ai 700 euros au film. 700. Il faut essayer de prendre ça. Ok, c'est pas grave. Tu te débrouilles avec quoi? Ok. Alors, bloque-moi. Comme des tawagons. Eh, hey. La paix. Ok, je vais partir. Je crois que c'est bon. Mais on est mal en haut d'air. Ah. Maman, Amen. Ok, je vais demander à Patty. Ok. Quoi, tu vas mettre? Elle a marché, oui, à Kakapi. Son pire, ma copie de bon, j'ai pas Kakapi.
Et on a le ouïe ma do keke keke. Et ma do keke keke. Bo do changbe. Minote minote ma jeta bao. Mama ne no. Mhoko kada do alio jibongi chenji. Mo woda simi bo mhoko kada mo mo webe na mi kwene gawe. Ma jala ne se bege. Bo sino a foto bo do keke. Mais ma fille dit, on me sent mon corps d'avoir chité. Mais d'ailleurs, mais quand voici votre daroué l'ordre. Voici votre daroué. Mais on est quoi? C'est quoi tu n'as pas de corps d'avoir chité? C'est quoi tu n'as pas de corps d'avoir chité? T'as pas de corps d'avoir chité? C'est quoi tu n'as pas de corps d'avoir chité? C'est quoi tu n'as pas de corps d'avoir chité? C'est quoi tu n'as pas de corps d'avoir chité? Moi, j'ai mis en bloc, Bonjour, le café de ma copie de votre fille. Et voilà, oui, mais le coeur. Ah, oui, mais le coeur. 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 Mais le Tu es ça, ouais. Noye a moto no a mema sitani ah que ça mete pour parti broda tu m'as pas eu maman ne vous inquiétez pas hein ne vous inquiétez pas c'est la vie on ne peut rien pour maintenant mon numéro m'est en vie tu n'as rien mis pour la deux merci non bon ce n'est pas la peine je veux dire c'est la vie, c'est la vie. Voici mon numéro. Merci beaucoup. Et ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Allô? Oui? Oui, c'est moi. Mais je connais pas l'endroit. Ok. Donc, je viens maintenant. D'accord. Ok, merci beaucoup. Oui, papa. Je dois aller quelque part. Je reviens bientôt. Ils m'ont appelé quoi? Je pense que c'est ceux qui... Chez eux, j'ai déposé les dossiers là. Je pense que c'est eux quoi. Je vais aller. Je reviens tout de suite. Ok, d'accord. Oui, c'est moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il me semble que je vous connais quelque part. Il m'a appelé de venir ici, quoi. Ok, vas-y. Ok, quand tu es là, on va dire tout à l'heure. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Bonne assise. Merci. On vous a donné de l'eau? Oui.
activités, comment ça va? Ça va bien, madame. Okay. Et ils m'ont appelé de venir ici, mais je ne m'attendais pas à vous voir. C'est vrai. Déjà, je tenais à vous dire merci pour la fois dernière. Non, madame, c'était juste quelque chose que je pouvais pour vous aider. C'est pas tout là. Mais ici, c'est chez vous. Oui, je vais vous expliquer tout de suite. Ah. Mon histoire est un peu longue. Tout ce que vous voyez ici, ça m'appartient. Oui. Ah bon? D'abord, je suis une directrice d'entreprise. Oui. De fabrication de plusieurs choses au Bénin ici. J'ai beaucoup d'héritage. Tout ce que vous avez vu sur la voie la fois dernière, oui. c'est tout ça, c'est une mise en scène. Ouais. Juste pour voir la personne qui sera dite héritier de toutes mes richesses. Ah bon? Je me suis mariée il y a 20 ans. Mon mari est un homme très très puissant et riche. Okay. Moi aussi je venais d'une famille riche. On s'est mariés. 10 ans après, on a cherché des enfants. On n'a pas trouvé. On n'a même pas un seul enfant. Mon mari est décédé. Oh. On n'a même pas pu avoir un seul enfant. La condoléance. Ce n'est pas fini. C'était un frère Calvert. Il est décédé 5 ans après. J'ai été testé positif pour le test de cancer. Oh. Quoi? Actuellement, je n'ai que 3 jours à vivre. C'est pas vrai. Celui que tu as vu tout à l'heure, c'est mon assistant. Tout ce qu'on a fait, c'était une mise en scène pour voir la personne qui sera digne, vraiment digne, qui sera le nouveau directeur de mes entreprises. Et c'est vous. Vous avez beaucoup de la chance. C'est pas vrai, madame. Je n'ai pas d'enfant, même pas un seul héritier, je n'ai pas. Au contraire, dans 3 jours, je vais mourir. Maintenant, la question vous revient. Êtes-vous prêt à bénéficier de tous mes biens? Je ne m'attendais pas à cette question de votre part, mais je pense que actuellement je traverse des situations un peu difficiles et je pense que ça peut m'aider. Et je vous assure de prendre bon usage de vos biens, même si c'est difficile pour moi d'accepter ou bien de, je sais pas, mais je crois que je peux essayer de faire quelque chose de bien avec votre héritage et je vous le promets. Oui, je sais que vous êtes quelqu'un de bon, vous avez un bon cœur, j'ai confiance et même si dans quelques jours, je ne suis plus certaine, je serai confiante et sûre que mes biens sont dans de bonnes mains. Ici, ce sont mes documents. Tout ce que mon mari a, tout ce que je possède. Vous êtes désormais le propriétaire de tout ça. Mais avant ça, j'ai fait beaucoup de recherches sur vous. Je sais que vous n'avez pas de travail. Je sais que le jour que vous m'avez aidé, vous n'avez que 200 francs dans votre poche. Mais pourtant, vous me l'avez donné. Sur ce, j'aimerais que vous ouvrez un orphelinat. Et l'orphelinat portera mon nom. Après ça, le reste, c'est à vous. Je vous dis merci. Non, pas de toi, mon fils. Lève-toi. Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est grâce à Dieu que j'ai eu tout ça et il est temps que je te donne ça aussi. C'est Dieu qui me l'a donné et je dois aussi donner à quelqu'un comme toi.